Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, mes chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, on va voir un paragraphe sur comment rendre deux nombres rationnels au même dénominateur. Avant cela, on va faire un petit rappel. Si A sur B est un nombre rationnel et K est un nombre entier relatif non nul, K inférieur à 0, alors on a toujours A sur B est égal à A fois K sur B fois K. Remarquez bien, si j'ai un nombre rationnel, lorsque je multiplie le numérateur A et le dénominateur B par un même nombre relatif non nul, le nombre ne change pas. L'écriture change, mais le nombre ne change pas. On a aussi A sur B est égal à A divisé par K sur B divisé par K. C'est-à-dire que si on a un nombre rationnel A sur B, on peut diviser le numérateur par K et le dénominateur par K. Et on a toujours le même nombre, mais écrit de différentes écritures. Maintenant, on va appliquer cette définition. Voyons si on a deux nombres rationnels A sur B et C sur D. Alors, pour rendre les deux nombres au même dénominateur, on va multiplier le numérateur et le dénominateur de chacun par un nombre. Alors, je prends le premier nombre A sur B, je multiplie A et B par le dénominateur du deuxième nombre rationnel. Donc, je multiplie par D et je multiplie par D. De même, pour le deuxième nombre, on a C sur D, je multiplie par le dénominateur du premier nombre. Et j'obtiens donc C fois B sur D fois B. Et on sait bien que D fois B est égal à B fois D parce que le produit est commutatif. Donc je peux écrire D égale C fois D sur B fois D. Ainsi, on obtient deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur, B fois D, B fois D. Et c'est la méthode pour toujours réduire deux nombres au même dénominateur. Application. Prenons les deux nombres moins 7 sur 2 et 5 sur 3. On va essayer de rendre les deux nombres au même dénominateur. Le premier nombre, moins 7 sur 2, est égal. Alors, j'écris moins 7 sur 2 fois. Comme j'ai dit, on va multiplier par le dénominateur du deuxième nombre. Je multiplie par 3 et je calcule, j'obtiens moins 21 sur 6. Je prends le deuxième nombre. 5 sur 3, et je fais de la même manière. Donc 5 sur 3, je multiplie par le dénominateur du premier nombre, c'est 2, et je calcule, j'obtiens 10 sur 6. Ainsi, j'obtiens deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur 6, 6. Pour les deux autres nombres, donc, voyons, voir les nombres, moins 9 sur 4 et moins 11 sur 7. Donc, de la même manière, je prends moins 9 sur 4 est égal. Je multiplie par 7, donc c'est moins 9 fois 7 sur 4 fois 7. Je calcule et j'obtiens moins 63 sur 28. Pour le deuxième nombre, moins 11 sur 7. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 4, le dénominateur du premier nombre, et j'obtiens ainsi le nombre. Moins 11 fois 4, c'est moins 44. Et 7 fois 4, c'est 28. Vous voyez aussi que les deux nombres ont même dénominateur 28, 28. Voilà. Mais quelquefois, il y a des cas particuliers. On va voir un exemple. Alors, on a moins 8 sur 5 et moins 13 sur 10. De la même manière, on va rendre les deux nombres au même dénominateur. On peut appliquer directement la définition. Mais ici, remarquez que 10 est un multiple de 5. 10 est multiple de 5. Et on a 10 est égal à 5 fois 2. Donc pour cela, pour simplifier les calculs, je vais laisser ce nombre-là comme ça, mais ici, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 2, et j'obtiens moins 8 sur 5 est égal. Je multiplie par 2, c'est moins 8 fois 2, sur 5 fois 2, je calcule, moins 8 fois 2 c'est moins 16,
sur 5 fois 2, c'est 10. Alors, remarquez bien ici, le dénominateur c'est 10 et aussi on a même dénominateur. Et voilà pour aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.